Bonjour à tout le monde, bonjour. L'Éternel des armées, nous rentrons dans ta présence ce matin. Je te confie chaque personne qui va regarder cette vidéo. Papa Yahweh, je demande ta paix, ta lumière. Que cette lumière éclaire chaque foyer. Que cette lumière, qui est la lumière du monde, ne quitte personne. Dieu d'amour, je viens contre le découragement. Dieu de bonté, je viens contre tout projet que l'ennemi a forgé contre la vie de tes enfants. Papa, je demande que tu ne sois jamais en retard dans leur vie. Je demande, Seigneur, que tu te pointes toujours à temps. Je demande, Seigneur, que tu protèges ce qui leur appartient. Que tu protèges ce qui est à eux, Seigneur. Dieu d'amour, de bonté, Dieu de miséricorde, nous venons ce matin, Père très saint, nous rentrons dans ta présence pour te demander, Père, premièrement, pardon pour nos péchés. Nous nous purifions du sang de Jésus et nous recevons, Père, cette purification instantanée. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, nous venons comme ça demander la force de ne pas abandonner. Nous recevons cette force, Père, que les paroles qui vont sortir de notre bouche soient conformes à ta parole. Que nous ne prions pas seulement selon ce que les hommes nous ont appris, mais que nous soyons conformes à ta parole, Seigneur. Donc, Seigneur, je viens te confier chaque personne qui va s'accorder avec cette prière. Selon Matthieu chapitre 18, au verset 18 et 19, tu as dit, là où deux personnes sont rassemblées et s'accordent à mon nom, tout ce que vous allez demander, je vais vous l'accorder. Père, je viens demander la restauration des foyers. Je demande la restauration de ce qui a été perdu dans les foyers, Père très saint. Que tout foyer qui a été désintégré, déstabilisé par qui que ce soit, nous venons comme ça revendiquer la restauration, Seigneur. Nous demandons la restauration de l'état d'esprit des personnes qui étaient dans ce foyer, Père très saint. Si ce sont des femmes qui ont détruit leur foyer, Père très saint, que tu remettes en elles la sagesse. Si ce sont les hommes qui ont détruit leur propre foyer, que tu remettes en ces hommes la sagesse, Seigneur. Père, nous venons ramener les cœurs de ces foyers, de ces parents, leurs cœurs ensemble, Seigneur. Que toute âme qui a été forgée contre les personnes de ces foyers soit sans effet à partir d'aujourd'hui. Père, très saint, que ta lumière brille à l'horizon. Père, je te confie ces foyers où le père et la mère vivent encore sous le même toit. Mais leurs paroles, leur cœur n'est plus là. Seigneur, je demande que tu puisses restaurer l'amour qui a été perdu ou qui a été gâché. Je viens contre toute troisième personne qui s'insère dans les foyers. Tout esprit de Jézabel, toute femme qui vient dans les foyers pour détruire, toute personne cachée qui est là, qui a été envoyée pour diviser le foyer et qui se masque comme leur fille ou comme leur nièce ou bien comme leur bonne, peu importe les agendas maléfiques des personnes qui ont été envoyées dans ces foyers. Nous venons détruire ces agendas au nom puissant de Jésus. Seigneur, Dieu d'amour, de bonté, de miséricorde, je te confie même les futurs foyers, que les personnes qui m'écoutent, que vos foyers ne soient pas perdus en avance, au nom de Jésus. Je déclare, Papa Yahweh, que toute personne qui a été victime d'un coup qui a gâté son foyer dans le passé, je déclare la sagesse sur toi maintenant. Je déclare que pour ton prochain foyer, tu seras sage. Je déclare que tu vas fonctionner comme les vierges qui sont parties avec leur lampe et qui avaient de l'huile dans la lampe. Je déclare que tu vas t'approvisionner en prière pour savoir comment détruire, comment détourner les stratégies de l'ennemi sur ton foyer, sur ta vie, au nom de Jésus. Papa Yahweh, je déclare la restauration de chaque famille qui m'écoute ici aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Père, je viens prier pour les filles, les fils qui ont été détruits par les foyers, par la séparation familiale. Que toute personne ici qui a subi des dommages causés par la séparation familiale, nous déclarons que ces dommages sont restaurés au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que parce que vous venez d'un foyer séparé ou brisé, vous n'allez pas construire un foyer qui va se briser au nom de Jésus. Je demande l'absolution, la grâce, le pardon, la miséricorde divine sur votre vie. Que toute erreur que vous avez commise, qui était en train de gâter déjà votre propre foyer, que ces erreurs soient restaurées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Papa Yahweh, donne-nous un cœur qui est contrit, un cœur qui est humble, Père. Un cœur qui demande à savoir, à connaître. Papa Yahweh, je viens enlever les forteresses qu'il y a dans le cœur de certaines femmes qui m'écoutent, Père.
les forteresses qui font qu'elles sont dures, les forteresses qui ont été construites par les abandons qu'elles ont subis dans le passé, les forteresses qui ont été construites par les trahisons qu'elles ont subies, qui font qu'elles n'arrivent plus à faire confiance à un homme, qui font qu'un homme n'arrive plus à faire confiance à une femme. Père, je viens de détruire ces forteresses. Seigneur, apporte-nous ta chaleur ce matin. Reconforte-nous, Seigneur. Je prie pour les personnes qui sont seules dans leur lit ce matin. Les personnes qui ont été abandonnées, les personnes qui ont tout perdu. Je déclare que ce que vous avez perdu, que vous le retrouvez 10 000 fois plus au nom puissant de Jésus dans cette vie. Je déclare que toute personne qui a œuvré pour vous mettre à terre, que ces personnes soient exposées. Selon Deutéronome chapitre 28 au verset 7, toute flèche qu'on a envoyée à vous, nous retournons à l'envoyeur par 7 directions différentes au nom puissant de Jésus. Je déclare pour ceux qui ont déjà commencé leur travail spirituel et qui sont au bord du gouffre, au bord du découragement, je déclare que vous recevez une nouvelle force ce matin au nom puissant de Jésus. Vous recevez une nouvelle force ce matin au nom puissant de Jésus. Toute personne qui est dans votre entourage, toute mauvaise énergie qui vous affecte, toute mauvaise énergie qui vous tire toujours en arrière, vous faites un pas en avant, vous faites 5 pas en arrière. Je déclare que ces personnes ou ces mauvaises énergies ou ces environnements vous laissent partir aujourd'hui. Je commande votre libération de ces forteresses maléfiques au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens vous défendre contre vos adversaires. Je combats toute personne qui vous combat. Je viens saisir le grand et le petit et le grand bouclier. Et j'envoie mes anges et vos anges pour se lever pour vous secourir. Je brandis la lance contre vos persécuteurs. Et je vous apporte le salut ce matin. Je déclare que tous ceux qui sont pour votre bien, tous ceux qui veulent que vous prospériez, je déclare la prospérité sur eux. Tous ceux qui méditent votre perte dans leur cœur, je déclare qu'eux-mêmes, ils soient dans l'abandon. Et qu'ils reculent, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, que l'ange éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante. J'envoie l'ange de l'éternel pour qu'il les poursuive, et qu'il les rattrape, et qu'il les anéantisse au nom de Jésus. Je déclare que leur route sera ténébreuse et glissante, car sans cause ils vous ont tendu un filet. Je déclare que la ruine les atteint à l'improviste, que tout filet qu'on a tendu contre vous, que eux-mêmes ils tombent dans ce filet au nom de Jésus. Je viens démasquer tout plan de l'ennemi contre votre vie. Je viens démasquer tout projet maléfique pour vous affaiblir. Je déclare que ces projets sont exposés. Je déclare que ces personnes viennent avouer au nom puissant de Jésus. Je viens vous fortifier. Je fortifie vos os. Je déclare sur vous la force, la joie. Je déclare que vous êtes délivrés de toute personne qui était plus forte que vous. Toute personne qui vous a appauvri, je déclare que vous êtes désormais enrichi au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur se rappelle de toutes vos offrandes, toutes ces fois où vous étiez disposé pour aider ces personnes, toutes ces fois où vous avez intercédé pour eux, toutes ces fois où vous avez servi avec bon cœur, que le Seigneur se rappelle de vos sacrifices, de vos offrandes, au nom puissant de Jésus, et qu'il vous libère vous-même de tout trou dans lequel vous avez été déposé, qu'il vous libère vous-même de toute pensée maléfique qui vous empêche de prospérer, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, vous demeurez à l'abri du Tout-Puissant. Je déclare que vous reposez à l'ombre du Très-Haut. Je déclare que le Seigneur est votre refuge et votre forteresse. Je déclare que vous vous confiez en lui. Je déclare que vous êtes délivrés de tout filet de l'oiseleur, tout piège qu'on a tissé contre votre vie, tout filet qu'ils ont tendu pour vous attraper et se moquer de vous. Je déclare que vous êtes protégés de ces filets et vous en êtes délivrés. Si vous êtes déjà tombé à l'intérieur, je vous en délivre. Je viens couper toute corde qui vous retenait. Je viens couper toute chaîne sur vos pieds, tout ce qu'on a mis sur vos pieds pour vous affaiblir. Je viens couper au nom puissant de Jésus. Je viens vous couvrir des plumes de l'Éternel. Je déclare que vous trouvez refuge. La fidélité du Seigneur vous rassure. J'enlève la terreur et la crainte de votre cœur. Toute personne qui est venue vous effrayer, tout rêve maléfique qu'on vous a envoyé, toute personne qui s'est pointée dans le rêve pour vous effrayer, vous êtes revêtue avec la peur au ventre. Je chasse et je dissous cette peur au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que vous trouvez refuge sous les ailes de l'Éternel. Je déclare que vous ne craignez ni les terreurs de la nuit, ni les flèches de la journée.
Je déclare comme ce soleil se lève. Je commande à ce soleil de vous servir. Que personne ne puisse utiliser la lumière du soleil et vous faire du mal, et ça marche. Que personne ne puisse utiliser la lumière de la lune pour vous faire du mal et des incantations, et ça marche. Que personne ne puisse parler au vent et le vent se retourne contre vous. Que personne ne puisse parler à la terre et cette terre se retourne contre vous. Je commande à la terre de recracher vos bénédictions. Toute personne qui est sur cette terre, qui marche effectivement sur ce globe, qui détient votre bénédiction, je commande que cette bénédiction soit libérée aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucune flèche qu'on a lancée contre vous en journée ne peut vous atteindre. Aucune peste qui marche dans les ténèbres, aucune contagion qui frappe en plein midi. Je déclare la guérison totale de vos os, de votre corps. Je vous sors de toute lourdeur. Je vois quelqu'un qui est paresseux. Ta vie spirituelle a baissé. Je parle à ton corps. Je te sors de cette cage où tu as été enfermé. Je te sors de la lourdeur spirituelle au nom puissant de Jésus. Je t'appelle de ce sommeil où tu es couché maintenant. Je te commande de te lever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande que tout ce qu'on a mis pour t'affaiblir, toute flèche, toute parole, toute vidéo que tu as regardée en ligne, qui t'a découragé de la prière, qui t'a découragé de faire ton lavage, qui t'a découragé de te lever pour prier, je déclare que ces paroles sortent de ton esprit. Tout ce que l'ennemi a envoyé pour affaiblir ton esprit, je te libère l'esprit maintenant. Je te commande de te lever maintenant. Saint-Esprit, que tu puisses prendre le corps de cette personne à nouveau. Saint-Esprit, que tu l'envahisses, Seigneur. Que tu l'envahisses, Seigneur. Que tu lui redonnes la vigueur pour prier. Que tu ouvres sa bouche, Seigneur. Mets tes paroles dans sa bouche, Seigneur. Que tu puisses remettre la parole sur sa langue, Seigneur. Que cette parole s'élève, que tu puisses détruire tes persécuteurs par ta bouche au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne vas pas être calme devant tes persécuteurs. Je déclare que ta bouche ne va plus se fermer, qu'on va t'attaquer. Je déclare que face à une injustice, toi-même ta bouche va parler au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu ne seras plus affaibli à l'heure de prière. Je déclare que tu ne seras plus affaibli à l'heure de prière. Je déclare qu'à l'heure de prière, toi-même tu vas te rappeler pour aller prier au nom puissant de Jésus. Père très saint, je ramène à toi par la prière, par le jeûne, par la lecture de la parole tes enfants, Père très saint. Que leur cœur médite ta parole, que leur cœur ne s'éloigne pas de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Je te sors du doute. Si tu as eu un moment, tu as commencé à douter de tout travail spirituel que tu faisais, je te sors de ce doute au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'on ne dira pas de toi que tu es devenu froid. Je déclare qu'on ne va pas dire, mais il y a longtemps, tu priais mieux que ça. Non. Je déclare que ta lumière sera comme le Proverbe 4, verset 18. Et que cette lumière va toujours briller. Encore plus chaque jour. Je déclare que tu es fortifié à partir de maintenant. Je déclare qu'aucune âme que l'ennemi a forgée contre toi ne peut prospérer. Je te fortifie. Je te restaure. Je déclare que tout endroit où tu étais connecté, où l'argent passait, tout endroit où tu étais connecté à une fontaine, je vois quelqu'un que tu étais connecté à une fontaine, ton argent passait chaque semaine. Tu ne manquais pas ton argent du quotidien. Et puis soudainement, on a coupé. Tout tuyau qu'on a coupé, tout tuyau d'abondance qui avait sur toi que l'ennemi a coupé, je te le restaure au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu as la domination sur la ville où tu te trouves. Parlez à votre ville quand vous allez sortir aujourd'hui. Comme le soleil se lève sur votre ville ou bien ça se couche, je déclare que vous avez la faveur dans cette ville. Quand vous entrez, quand vous sortez, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Je déclare sur vous que vous allez seulement voir de vos yeux comment les autres souffrent. J'enlève la souffrance de votre maison. J'enlève la peste de votre maison. J'enlève la maladie de votre maison. Au nom puissant de Jésus. Tous les enfants qui chauffaient dans la nuit là, je déclare qu'il n'y aura jamais de paracétamol que vous allez utiliser dans votre maison. Parce que personne ne sera malade au nom de Jésus. Je déclare qu'on n'irait pas aux urgences. Je déclare qu'on n'enterrerait aucun de vos enfants. Au nom puissant de Jésus. Je déclare la faveur, l'ouverture de vos portes, l'abondance. Au nom puissant de Jésus. Je déclare que vos oreilles sont ouvertes et que vous écoutez ce que l'Esprit vous dit à tout moment. Je déclare que vous n'oublierez aucun détail, aucune instruction. Et je déclare que vous êtes prompt à obéir quand l'Esprit vous parle. Je déclare que la paresse spirituelle sort de votre corps. Je déclare que tout doute, toute personne qui est dans votre entourage peut vous faire douter. Pour quand le Seigneur vous te montre ce que tu dois faire, tu vas aller faire la personne dire « Ah, pas maintenant, pourquoi ?» Je déclare que tu es prompt à obéir ce que tes ancêtres te montrent au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es le refuge de tes enfants. Père Saint, nous faisons de toi notre retraite. Je déclare qu'aucun malheur ne va vous arriver. Aucun fléau ne va s'approcher de votre maison. Aucune maladie ne va s'approcher de votre maison. On ne vous dira pas que oh, il y a telle maladie. Vous direz, ouais, mes enfants ont telle maladie. Même si la maladie la prend tous les enfants de l'école, je déclare qu'aucun de vos enfants ne sera touché au nom puissant de Jésus. Vous devez ou un de vos enfants aujourd'hui. Vous avez lu le blindage, vous mettez ça sur eux, le signe de croix sur le front, avec le majeur. Signe de croix sur le front. Vous mettez aussi signe de croix sur le cou, sur la poitrine. Et en bas du nombril. Je viens bénir chacun de vos enfants. Je bénis et je protège. Je mets un cercle de protection autour d'eux. Au nom puissant de Jésus.
Je viens ordonner aux anges de vous garder dans toutes vos voies. Je déclare qu'ils vous portent sur leurs mains. Ils vous portent aussi. Ils portent aussi vos enfants sur leurs mains. Pour que vous ne touchez pas de pierre. Vos pieds ne touchent pas de pierre. Vous marchez sur le lion et sur l'aspic aujourd'hui. Toute personne qui vous... Je vois quelqu'un qu'au travail, on te dérangeait beaucoup. Je déclare que tout démon qui te dérangeait au travail, toute entité que les gens de ton boulot sont partis invoquer pour te déranger, qui t'embêtait, je déclare qu'aujourd'hui, comme tu te lèves pour aller au travail, là, c'est toi qui domines sur eux. Avant que tu n'arrives, ils te voient à distance, ils ont peur, au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui te revient, promotion, qu'on s'était assis sur ça, on te donne ça aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. Tout CV que tu as déposé, tu as l'espoir qu'on t'appelle. Je déclare aujourd'hui que tu reçois 5 propositions dans les prix que tu voulais. Et tu sais, même toi qui as l'embarras du choix, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que ton pied là écrase le lion, l'aspic, le lionceau, le dragon, toute forme animale dans le monde spirituel. Chien ou chat ou peu importe les formes qu'ils prennent pour venir t'attaquer. Nous écrasons leur tête au nom puissant de Jésus. Nous écrasons leur tête. Nous utilisons la lance de Saint-Michel pour pouvoir couper la tête de ces dragons. Et nous les écrasons, nous les écrasons. Tout Goliath qui s'est levé contre votre vie, qui se tient entre vous et votre bénédiction, qui se tient entre vous et votre terre promise, nous coupons, nous changeons la tête de ce Goliath et nous ramenons cette tête comme victoire au nom puissant de Jésus. Je déclare sur vous la restauration de vos dons spirituels, la restauration de vos dons, que ces dons puissent porter et vous amener devant des rois au nom puissant de Jésus. Amen. Quand ces paroles entrent dans votre esprit, je déclare que ces paroles vous sortent de tout trou, tout cercueil dans lequel vous avez été déposé. Vous n'arrivez pas à bouger. Je vous libère de toute momification. Tu sentais que ton corps était en train de te figer de plus en plus. Toute momification dont tu as été victime, je te sors de cette momification au nom puissant de Jésus. Je te libère de toute... je vois que quand tu es comme, tu deviens comme une statue, on est en train de te, tu es carrément en train de te friser. Like, freezing. Tu es en train de te momifier. Je te sors, je commande à ton corps de revenir à la vie. Je commande à tes membres de revenir à la vie. Je te sors de toute attaque spirituelle. Je te sors de tout cercueil dans lequel on t'a déposé. Tout vêtement blanc qu'on t'a mis pour t'enterrer. Je te retire de là au nom de Jésus. Tout cercueil maléfique, toute loge dans laquelle on a prononcé ton nom, on a pris ta photo. Toute personne qui allait te donner quelque part en rançon pour pouvoir acheter, pour avoir de l'argent, pour avoir n'importe quoi. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tu es libéré. Je te libère de ces endroits, de ces trous au nom de Jésus. Vous devez faire une libation aujourd'hui encore. Que la journée ne finisse pas sans que nous fassions une libation. Toute personne qui a pris un liquide, peu importe l'origine du liquide, il sait que c'est du liquide, et il a parlé contre votre vie. Même s'il a parlé et ne se dirigeait pas contre vous, mais ses incantations vous ont englobé. Je déclare quand vous allez faire cette libation aujourd'hui, vous vous sortez de toute malédiction qui prend le coin dans lequel vous vivez. En versant, demandez la faveur du pays où vous êtes, de la ville où vous êtes, du quartier où vous êtes. Demandez la faveur même des dieux de du quartier où vous êtes, de la maison où vous vivez. Toute incantation faite sur ces endroits qui sont en train de vous influencer, directement ou indirectement. Par cette libation, je déclare que vous vous sortez de là. Vous vous sortez de ces pièges au nom puissant de Jésus. Vous sortez vos enfants de ces pièges au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous délivre et je vous protège de toute malédiction, toute incantation. Je vois quelqu'un que tu as la peine à payer ta dîme. Tu te lèves, tu dis que je vais, tu ne fais pas. Depuis 2 semaines, chaque fois que tu prévois d'aller faire un don à quelqu'un, il y a un truc qui se passe, ça t'affaiblit beaucoup. Qu'on ne puisse pas boire un liquide quelque part, on lève la main, on boit, on parle contre toi. Et ce qu'on est en train de dire marche. J'annule tout complot qu'on a forgé contre ta vie. Tout endroit, ils se sont rassemblés, ils ont œuvré contre toi. J'annule les incantations dites contre ton nom de Jésus. Toute personne qui a mis des menottes ou encore qui a attaché tes pieds, toute personne qui t'a immobilisé, je te sors de cette immobilisation au nom de Jésus. Je déclare l'esprit d'obéissance sur toi.
Je déclare que ton esprit n'oublie plus. Ton esprit n'oublie plus. Tu vois, il y a une sorte d'oubli, une sorte d'oubli spirituel. Toute arme que l'ennemi a forgée pour te décourager, toute arme que l'ennemi a forgée qui fait que tu ne vois pas le futur positif, tu ne vois que le mal, je transforme le mal en bien aujourd'hui. Genèse chapitre 50, verset 22. Tout mal qu'on avait forgé contre toi, je transforme ce mal et je change en bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous délivre de tout piège et je vous glorifie. Je déclare que vous allez mourir dans votre vieil âge. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous sors de la pauvreté. Je mets l'abondance sur votre table. Je mets l'abondance sur votre table. Je déclare que vous ne manquez plus. Les images de pauvreté que vous êtes en train de voir depuis ce matin que vous êtes réveillé, je les change et je mets l'abondance. Tout esprit qu'on a envoyé pour vous intimider, tout esprit malin, maléfique qui vous a visité cette nuit, vous empêchant de dormir correctement, vous affaiblissant, je le sors de votre corps maintenant. Je commande que vous soyez libéré de toute lourdeur, de toute flèche envoyée et plantée dans votre esprit dans la nuit. Au nom de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un que tu es découragé. Comme tu étais là même pour aller ouvrir le magasin, tu ne voulais même plus. Tu ne voulais même plus reprendre. Je te redonne des forces. J'envoie tes anges sous forme de papillons, d'oiseaux qui te localisent là où tu es. Tu es dans un endroit où tu ne peux pas sortir, si tu es alité peut-être. Tu ne peux même pas bouger. Je déclare que le Seigneur te lève de ce lit d'hôpital. Je te soulève de ce lit d'hôpital, ce lit de mort qu'on a prévu que c'est là-bas que tu vas mourir. Je te sors de là. Toute personne qui est responsable de ta maladie, je déclare aujourd'hui que je retourne cette maladie à cette personne, 7 fois plus au nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui vous obéissez à la voix de l'Éternel. Vous ne vous détournez pas de cette voix. Je déclare que vous mettez en pratique tous les commandements de l'Éternel. Je déclare que vous êtes béni dans la ville où vous vivez. Tous vos business sont bénis, tous vos enfants sont bénis. Vos comptes bancaires sont bénis. Je vous sors du rouge dans vos comptes bancaires. Je déclare que vous êtes béni à votre arrivée et à votre départ. Je vous donne la victoire sur tout ennemi qui se lève contre vous. Toute personne qui sort contre vous par un chemin. Je déclare que ces personnes retournent par 7 chemins différents. Au nom de Jésus. J'ordonne la bénédiction d'être avec vous. Je mets cette bénédiction dans votre compte bancaire, dans votre adresse, que cette bénédiction vous localise. Tout endroit de votre vie où vous étiez dans les ténèbres, je déclare que ces ténèbres se transforment en lumière. Je déclare que votre argent va toujours augmenter. Je déclare que votre faveur va toujours augmenter. Je déclare que votre vie va toujours aller comme l'aurore. De mieux en mieux. Aucun lendemain ne sera pire qu'aujourd'hui. Il sera toujours de mieux en mieux. J'ordonne à la bénédiction d'être avec vous. Dans tous vos comptes bancaires, dans tous vos business, toutes vos entreprises, tous vos business, vos employés, vos collaborateurs, vous avez la faveur avec eux aujourd'hui au nom de Jésus. Tous les peuples voient que vous êtes appelés du nom de l'Éternel et je mets la crainte sur eux. Je déclare aujourd'hui que vous êtes comblés de bien. Je viens multiplier vos enfants, je multiplie vos business, je multiplie vos efforts.
Je déclare comme vous sortez aujourd'hui, la joie est dans votre cœur. Cette joie apporte, appelle vers vous la faveur, la grâce. Je déclare que vous n'allez pas vous détourner des commandements de l'Éternel aujourd'hui. Vous ne regarderez ni à gauche ni à droite. Au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était gâté dans votre vie, je viens restaurer. Tout ce qui avait perdu sa saveur, je viens restaurer au nom de Jésus. Je remets la saveur dans votre foyer. Je remets la nourriture dans votre frigo. Je remets la saveur. Je vois une femme que tu ne partais même plus à la cuisine. Tu n'as même plus le goût de préparer des trucs bons pour donner aux gens. Je restaure ta main de cuisine pour que tu prépares. Tu redonnes encore la joie aux gens par ta nourriture. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Je bénis votre journée. Je restaure toutes vos idées, tous vos projets. Au nom de Jésus. Amen. Bon, vous passez une bonne journée.